l'agence des entreprises accompagne plutôt les entreprises qui ont des projets d'innovation ou développement technologique à composante individuelle. Et dès lors qu'il va s'agir de travailler avec d'autres entreprises ou en collaboration avec des laboratoires, c'est là où on va faire appel au pôle de compétitivité ou aussi au cluster qui, eux, sont en capacité de faire travailler ces entreprises et ces laboratoires les uns avec les autres. La mission principale du cluster, c'est d'accompagner les projets innovants et collaboratifs en faveur de l'efficience. Donc c'est, j'allais dire, dans l'ADN même du cluster. Un pôle de compétitivité a été créé en 2005 par un appel à projet de l'État pour faire un peu la liaison entre le monde académique et le monde socio-économique pour développer des projets d'innovation. Comme notre rôle, c'est de monter des projets collaboratifs en lien avec la recherche académique, donc forcément les connaissances de l'écosystème académique est hyper importante. Donc on connecte les entreprises avec le monde académique. Et puis les collectivités, forcément, puisque tout ça, il faut financer. Donc les collectivités sont là pour accompagner et financer les projets qu'on peut faire émerger.